bercement. L'immense marathon de soirée de reconnaissance, d'instruction, d'encouragement, de relèvement, Seigneur, de Dieu, de moments de prière, Seigneur, de moments de réflexion, de Dieu, de moments où tu nous fais asseoir. Seigneur, oh Dieu, cette sœur des apôtres, Seigneur, oh Dieu, en nous prenant, Seigneur, ce n'est pas en vain que tu nous as sauvés et que tu nous gardes encore sur terre. C'est pour un but précis, Seigneur, oh Dieu de gloire. Et en ce soir, Seigneur, oh Dieu, nous voulons t'écouter, nous parler, Seigneur, de ce que tu attends de nous pour l'avancement, Seigneur, de ton Église. Parle-nous dans nos cœurs. Circoncis nos oreilles, ô Dieu, et grave ton amour dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel pour nous accompagner? Gloire soit rendue à Dieu. Et nous sommes dans la joie en ce soir d'avoir notre bien-aimé, le frère Teddy, qui va nous entretenir sur ce que Dieu attend de nous, de moi, pour l'avancement de son Église. Est-ce que nous pouvons l'accueillir avec joie? Nous acclamons le Seigneur et nous vous souhaitons bon appétit. Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais qu'ensemble qu'on puisse fermer encore nos yeux. Aidez-moi avec le micro. J'aimerais qu'en cet instant que tu recommandes encore ton cœur entre les mains de l'Éternel, que tu demandes au Saint-Esprit de te parler, que tu demandes au Saint-Esprit de toucher encore ton cœur, de pouvoir encore te parler, quand ce soir encore que le Saint-Esprit puisse déposer encore quelque chose de nouvel en toi, et que le Saint-Esprit puisse encore te visiter en ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix et recommander encore ton cœur, que ton cœur soit encore comme cette terre fertile, comme cette terre qu'on a labourée afin de recevoir encore la semence. Te mananga ezo sela yo, ezo sela yo, ko sela yo. Mote mananga ezo sela yo, ezo sela yo. Pourquoi les lomote mananga eso zelayo, zo zelayo, ko zelayo, zambe nanga nazo zelayo, nazo zelayo. J'aimerais être impatient dans ta présence, Moté Mananga, Ezo, Zelayo, Ezo, Zelayo, Ezo, Zelayo, Napo, Kualelo, Nazo, Zelayo, Nazo, Zelayo. Natondi na posa na yo, nazo sila yo. Yahweh, nazo sila yo, nazo sila yo.
Seigneur, merci pour ta parole encore ce soir. Nous voulons, Seigneur, en cet après-midi, avoir encore le cœur ouvert à toi afin de t'écouter nous parler. Notre prière, Seigneur, c'est que tu puisses encore nous aider en touchant nos cœurs afin que nous soyons, Seigneur, des personnes auxquelles tu t'attends, Seigneur. Et en ce soir, notre prière, nous ne voulons pas venir en ces lieux, écouter et ressortir tel quel, mais nous voulons être transformés, visités par toi. Et c'est cela notre prière, parce que nous savons une chose, c'est que dans ta présence, tu travailles nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Merci pour la présence de chacun, merci pour tout ce que tu vas faire, au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Il est digne de gloire. Nous allons essayer d'aller rapidement. Déjà, à toi qui étais en train de regarder l'heure, j'aimerais juste te demander un peu d'indulgence pour ce samedi seulement. Juste. Si tu peux être un tout petit peu patient, je sais que l'heure est très avancée, mais nous allons aller mollo et calmement, tout en faisant en sorte que nous puissions finir à temps. Merci beaucoup au pasteur et à la coordination, à tous ceux qui travaillent avec lui pour la confiance à notre personne, pour nous tenir encore ici afin de parler de la part de l'Éternel durant ces assises de 15 ans. Comme le pasteur était en train de le dire, 15 ans c'est pour ceux qui ont une année à l'église, 15 ans c'est aussi pour ceux qui ont 2 ans, 15 ans c'est aussi pour ceux qui ont 15 ans. Donc nous tous, nous sommes en train de fêter nos 15 ans. Et aujourd'hui, qui tombe un jour de la jeunesse, donc je me sens un peu comme étant à la jeunesse. Amen, amen. Nous allons commencer. Le thème général qui est juste à côté là, c'est que le Rédempteur attend de moi, attend de toi pour l'avancement de son Église. Vous allez remarquer ici la particularité, c'est qu'on nous parle de son Église et ici, j'aimerais mentionner qu'il s'agit de l'Église locale. Amen, amen. C'est vrai, l'Église, il y a l'Église universelle, mais ici, dans ce thème, alors que c'est nous, Maranatha, qui sommes en train de fêter nos 15 ans, ici, j'aimerais préciser qu'il s'agit de l'Église locale. Amen, amen. Et le thème qui m'a été donné, le sous-thème, dirais-je, c'est ce que Dieu attend de moi pour l'avancement de l'Église. C'était bien sûr le thème général. Mais plus particulièrement, en ce soir, nous allons parler ou donner une réponse qui est celle-ci, que je sois un modèle pour ma génération. En fait, j'ai un peu personnalisé cela, mais en soi, c'est que tu sois un modèle pour ta génération. Ce que Dieu attend de toi pour l'avancement de son Église, ici plus précisément à Maranatha, que tu sois un modèle pour ta génération. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, lorsqu'on parle des modèles, surtout au milieu des jeunes chrétiens, on parle souvent des pères, on parle des repères, on parle des mentors, on parle des encadreurs, ainsi de suite, des modèles que nous sommes en train de suivre. Vous savez, comme moi par exemple, à la jeunesse, c'était tous mes responsables qui étaient... En fait, chacun avait comme une portion en moi, chacun avait quelque chose qu'il a eu à bâtir en moi. Et je les ai pris, eux tous, trois, comme étant des modèles. J'ai vu combien Papa Patrick, étant enseignant à l'université,
étant dans plusieurs occupations, je le voyais peut-être très occupé que nous autres, simples étudiants à l'époque, mais lui, je le voyais combien il était consacré au service, combien il faisait un effort d'être là, toujours présent. Un modèle par son sacrifice en termes de temps, un modèle par sa consécration, un modèle par sa manière de faire les choses, sa disponibilité même pour l'œuvre. Alors que nous, aujourd'hui, simples étudiants, on a souvent des excuses et autres. Je pouvais voir papa Raf, l'autre fois, il était encore étudiant en médecine. Mais aujourd'hui, lorsque vous arrivez seulement devant un étudiant de G1 seulement, ils vous diront, on a des cours d'encadrement, il y a ceci, il y a cela. Et Dieu vient, comme qui dirait, en deuxième position. Mais pour ces trois encadrés, il y a papa Roger, papa Raphaël et papa Patrick. Je pouvais leur voir combien. Tu te demandes, est-ce qu'apparemment, c'est comme s'ils n'ont rien à faire d'autre que d'être à l'église. Et malgré cela, ils étaient en train d'exceller dans tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train d'avancer dans tout ce qu'ils faisaient. Et ils sont même là au milieu de nous tous ces temps-ci. Vous pouvez voir leur carrière, comment ils font, comment ils avancent avec leur Dieu. C'est ces gens-là qui ont été des modèles pour moi. Plus particulièrement, dans le service que nous sommes en train de faire, ici à la Genèse, et pour Dieu. Je voudrais nous inviter encore à lire. C'est vrai, nous allons lire plusieurs passages. Jacques 5, le 7e verset. Jacques 5, à partir du 7e verset, nous allons lire jusqu'au 11e. Nous allons lire aussi 2 Thessaloniciens 3, 8. Et aussi 1 Thessaloniciens 1, 6. Je vais lire pour aller plus vite. Jacques 5, à partir du 7e verset. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. C'est comme 21 en train de dire, soyez pleins de courage, car l'avènement du Seigneur est proche. Et ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. 10. Prenez mes frères pour modèle des souffrances et des patiences, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Second 21 en train de dire, oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Lui, second parle de souffert patiemment, mais second 21 en train de parler de ceux qui ont tenu bon. De Thessaloniciens 3, 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge de personne. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. 1 Thessaloniciens 1 à 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous ou pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Aïe. De la chaîne. Ici, dans les différentes lectures que nous venons de faire, vous allez remarquer que nous sommes allés à trois étapes.
Paul, à un certain niveau, il parle de lui comme étant modèle. Et au deuxième niveau, il parle de tout ce qu'il faisait, afin comme une discipline de faire un effort de manière à ce que tous ceux qui sont là présents puissent être ses modèles. En travaillant nuit et jour, en se mettant au travail, en s'appliquant dans ce qui est bon. Et au troisième niveau, il parle maintenant du peuple. Il parle maintenant aux Thessaloniciens en leur disant que être modèle, ce n'est pas seulement moi, mais vous aussi. Amen, amen. Est-ce qu'on est là? Que le nom du Seigneur soit béni. C'est comme je demandais avant de commencer, juste un peu de patience et surtout que nos oreilles soient ouvertes et que votre attention, s'il vous plaît, soit vraiment ici. Et le Seigneur va encore nous aider parce que nous visons tous l'avancement de notre Église. Amen, amen. Qui est d'accord pour l'avancement de l'Église avec moi? Que le nom du Seigneur soit béni. Parlant du modèle, j'ai quelques définitions et nous allons aller vite, oui. Le modèle, j'ai trouvé quelques définitions. En parlant des personnes, c'est comme une personne qui, grâce à ses caractéristiques, à ses qualités, peut servir de référence à l'imitation ou à la reproduction. Un modèle, c'est aussi ce qui est donné pour servir de référence. Personne possédant certaines qualités ou caractéristiques propres à en faire comme référence. Et une définition qui m'a aussi fait du bien, c'est que un modèle, c'est une personne citée ou choisie à être à titre d'exemple pour qu'on s'inspire de sa conduite. C'est le mot conduite ici qui m'a beaucoup intéressé. S'inspirer de sa conduite. Qui enseigne les autres par sa qualité de vie. Et ces gens-là sont parfois appelés comme des étoiles. Et même lorsque Daniel parlait du royaume de l'annonciation de la bonne nouvelle, il dit, ils seront comme des étoiles et leurs pieds brilleront. Ils sont comme des étoiles, ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen, amen. Modèle pour ta génération. Et s'il faut définir la génération, j'aimerais un peu particulariser la génération au sein de l'Église. Au milieu de nous ici, nous avons les jeunes, nous avons les papas, nous avons les mamans, nous avons aussi les plus jeunes, les teenagers, 10 ans un peu montés, nous avons aussi les plus petits, donc nous avons les codim, nous avons les jeunes, nous avons les mamans, nous avons les papas. Plus particulièrement ici, j'aimerais un peu donner la définition des générations par rapport à ces quatre catégories de personnes. Juste pour dire pour les papas, toi papa, sois un modèle pour les papas ici à l'église. Par ce que tu fais, par ton engagement, par ta manière de faire les choses. Vous savez, depuis que je suis ici, je connais un papa, au nom des papas même. Protocole assidu qui a toujours été là. Et une fois j'ai parlé avec sa fille, la soeur Francine, qui est aussi parmi l'une de mes modèles par sa manière de servir. Un jour on parlait, je ne sais pas si de quoi, et elle me dira non. D'ailleurs, bon, notre papa d'elle, lui aussi il travaille à l'OCC, il est directeur. Je dis ah bon, mais il est là protocole. Il fait ça très bien, toujours là. Mais combien de jeunes aujourd'hui, lorsqu'il a seulement un simple $1,000 dans son compte, on change même de... On commence à être un jeune qui
déjà la jeunesse n'est plus notre lot. Déjà on écarte même la jeunesse parce qu'on devient peut-être travailleur, parce qu'on devient peut-être je ne sais quoi, peut-être parce que dans son compte bancaire on a un petit rien là. Mais juste pour nous dire qu'il y a des modèles à suivre dans cette même église. Amen, amen. Vous savez, je voudrais donner quelques vérités par rapport à être un modèle ou par rapport au modèle. Vous savez, bien aimé, être un modèle, ce n'est pas seulement quand tu es responsable d'un département. Devenir modèle, ce n'est pas seulement lorsque tu es comme qui dirait une personne phare. Pas parce que tu es modérateur où il faut être comme le frère Enoch en train de jouer au clavier et tout le monde te voit pour être un modèle. Être un modèle, c'est un appel pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu est même capable de devenir modèle. Cela n'est pas limité à une catégorie de personnes. Et on ne devient pas modèle seulement quand on a une charge à parler des personnes phares. Et notre vrai témoignage bien-aimé, qui est le fruit de l'esprit, et même là, c'est ça même notre projecteur ou notre miroir qui fera en sorte que nous devenons modèles des autres. Parce que vous savez, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous la table, nous dit la Bible. Amen, amen. Lorsqu'on allume la lampe, c'est pour qu'elle puisse éclairer. Et tout chrétien est appelé à éclairer. Matthieu 5,15, c'est ce que ce passage nous dit. Mais une autre vérité, c'est que lorsque tu ne deviens pas un bon modèle, bien aimé, tu seras peut-être aussi modèle, mais aussi dans le mauvais sens. Vous savez, il y a eu un événement qui venait de se passer là avec tout ce qu'on a eu à entendre parler. Par rapport à l'homme de Dieu, par rapport à tout ce qu'il était en train de dire, à la conscience des Congolais et tout. Le thème de cet événement, c'était le développement de la nation, pas du pays, de la nation par l'Église. Il était en train de parler aux enfants de Dieu par rapport à notre responsabilité. Et vous allez comprendre très bien que il y a plusieurs modèles dans le monde. Le modèle dans le bon sens et le modèle dans le mauvais sens. Et lorsque tu ne t'appliques pas à être un bon modèle, même indirectement, tu deviens un modèle, mais dans le mauvais sens. Je prends l'exemple à l'église. Lorsque on regarde un ancien ouvrier, moi je suis débutant, je viens à l'église, mais je vois c'est un ouvrier. Je deviens ouvrier au réunion même du département, je ne le vois jamais. Il vient seulement quand il y a des grandes manifestations. Lorsqu'il y a peut-être répétition à la chorale, parce que moi je sais très bien jouer au clavier, moi je viens seulement le samedi et dimanche je vais chanter. D'ailleurs, je suis le seul. Et moi qui viens après toi, qu'est-ce que je copierai comme modèle? Ce que toi tu es en train de faire, peut-être que tu ne t'appliques pas à être un bon modèle, mais indirectement tu deviens un mauvais modèle. Mais en quelque sorte tu es toujours modèle, mais dans le mauvais sens. Amen, amen. De qui es-tu modèle, bien-aimé? En quoi es-tu modèle, cher ouvrier? Et en ce soir même, ce n'est même pas une prédication, c'est juste un partage. En fait, même en préparant, je me disais, bon, s'il y avait peut-être même une table là où on était là en train d'échanger, que chacun prenne à moi la parole, qu'on soit comme dans un atelier, partageant peut-être entre jeunes, entre papas, qu'on se le dise clairement. Es-tu modèle de quelle
manière. Regarde comment tu fais les choses. Regarde comment tu sers. De quel niveau est ta consécration? Quel âge as-tu dans le Seigneur? Et par rapport à ton âge, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Et les gens, et les jeunes gens qui sont derrière toi en train de regarder, de quel modèle seront-ils? Mais heureusement, gloire à Dieu, nous avons un bon modèle, notre Seigneur Jésus. Même si toi tu fais très mal les choses, ces jeunes gens, ils ont Jésus, ils ont le Saint-Esprit. Ils feront toujours très bien les choses. Bien-aimés, vous savez même, j'aimerais nous partager deux grands, je ne sais pas si je dois appeler ça comme plateforme ou domaine, dans lesquels nous devons maintenant travailler notre sens ou notre juste pour parler du terme modèle. Dans quel champ, dans quel domaine devons-nous travailler afin d'être un modèle? Ici, Dieu m'a parlé de deux domaines seulement. Alors qu'on échangeait même avec les parents de l'autre côté, on était dans des ateliers, il y a eu plusieurs résolutions qui sont sorties. Et ce qui m'a retenu, c'est lorsqu'on parlait de l'être, bon, personnellement, du développement personnel, le top c'était être comme Christ. Il est vrai que derrière ça, les jeunes ont parlé de méditation de la parole, être toujours, ainsi de suite. Mais chez les parents, on a eu à synthétiser dans une seule phrase. Travailler notre être afin de devenir comme Christ. Et l'un des domaines dans lequel nous devons travailler afin d'être un modèle, c'est être. Et l'autre modèle, c'est le faire. Deux domaines seulement, l'être et le faire. Ce que tu es, ce que tu produis. Et ici, je me vais même mentionner un domaine que j'ai exclu. Le domaine d'avoir. Vous savez, surtout au milieu des jeunes, on aime bien voir un assistant aussi cycliste, véhiculé, palé, marié. Ça fait toujours du bien, n'est-ce pas? Et souvent, on a tendance à avoir des illusions. Parce qu'on a tendance à tourner nos regards vers le monde, vers les choses du monde, vers le matériel. Et on a comme l'impression qu'on est aveuglé en prenant des modèles seulement ceux qui sont peut-être véhiculés, qui ont des moyens, qui prêchent à l'église. Mais j'aimerais juste nous dire ce qu'il faudrait travailler. Parce que nous sommes appelés à être un modèle parce que nous savons que le Rédempteur vient. Parce qu'il est en train de venir pour nous prendre. Du coup, nous sommes appelés à travailler notre être et notre manière de faire. Et l'être exige deux choses, la révélation et la résolution. Dans la révélation, il y a l'identité de la personne. Ce qui révèle même ta personne, ton identité en Christ. Et lorsqu'on parle de la résolution, c'est ce qui est la décision ou les différentes décisions que tu es en train de prendre. Et dernièrement, Dieu était en train de me parler de l'impact même des résolutions au milieu des jeunes. On en a eu à partager une fois la jeunesse. C'était comme une série d'enseignements, je crois que j'avais commencé. Par faute de temps, il y a la sœur Gandhi qui est venue encore avec un autre thème, toujours dans cette même idée.
l'impact ou l'importance de prendre les bonnes résolutions pendant notre jeunesse. Et cela est même applicable même quand on est papa ou maman, ou quand on est encore trop jeune. Vous savez, par rapport aux résolutions, on a vu Daniel et les différentes résolutions qu'il a eu à prendre. Nous avons vu Joseph qui ne s'est pas compromis. Nous avons vu Samuel qui ne s'est pas compromis. Nous avons vu tant de jeunes gens d'ailleurs, par rapport à leurs résolutions, combien ils ne se sont pas compromis. Mais aujourd'hui, combien de jeunes gens? Surtout, c'est ce qui me fait pleurer chaque fois. Même les jeunes chrétiens, lorsqu'il s'agit des examens d'État, quand on parle d'examen d'État, déjà un jeune voit les fuites. J'ai un aîné qui est inspecteur. Une fois, il me disait, mais je suis entré dans une salle de classe, je trouve les élèves en train de dormir. Et puis, à un moment, quand les fuites sont arrivées, tout le monde est devenu agité. Et même les chrétiens ont adopté ce système. Pourquoi? Parce qu'ils ont, comme il dirait, peur. Sans ces fuites, on ne peut rien. À l'université, sans corruption, on ne peut rien. Grâce au modèle que j'ai mentionné, ces trois personnes, ces trois modèles que j'ai eu à prendre à la jeunesse, je me souviens, en venant d'une retraite, on a eu un atelier où on pouvait partager sur une vie sans compromission est possible. Mais là, moi, je me demandais vraiment, la génération... siècle, oui. Vivre sans compromission, possible. Mais bien aimé, aujourd'hui, hein, en fait, je dois vous le dire, c'est papa. En même temps, permettez-moi que je le dise un peu avec orgueil aussi. Vous savez, j'aimerais vous dire, vous décourager, vous qui disiez toujours à l'université, on ne peut pas réussir sans corrompre, sans tricher. Il est vrai, il y a eu des années où j'ai repris. Il y a eu des années où j'ai même chômé par manque d'argent. Mais j'aimerais vous dire une chose. J'ai suivi cet atelier de l'autre fois. J'ai appliqué pendant tout mon cursus universitaire. Et aujourd'hui, je peux vous dire, tu peux étudier à l'université sans voir un seul professeur. Tu peux passer des promotions sans corrompre. Tu peux réussir sans tricher. Tu peux avoir des emplois sans avoir des appuis. Tu peux aller dans des endroits où on ne te connaît même pas, tu arrives comme ça, on te prend le même jour où tu arrives. J'ai vécu un Dieu qui m'a tellement ébloui pendant mon cursus universitaire. Et il m'a aidé à croître même dans ma foi. Voilà pourquoi j'aimerais encore dire à un jeune, une vie sans compromission, c'est possible, même dans cette génération. De qui es-tu modèle? En quoi es-tu modèle? Et dans le domaine de faire, bien aimé, dans le domaine de faire, c'est là même qu'on se pose la question de la différence entre les uns et les autres. On voit même à l'église, la grâce est là disponible pour tout le monde. Amen, amen. J'aime bien une fois le frère Prince qui prêchait, c'était un dimanche d'ailleurs. C'était un thème, la grâce de Dieu est disponible. Mais qui s'en approprie? C'est un peu comme l'exemple que le pasteur a souvent, nous donne souvent. La grâce de Dieu est cette main qui a toutes les bonnes choses que Dieu tend vers nous. Et la foi, c'est cette main que nous tendons à Dieu pour récupérer ce qu'il y a dans sa main. Bien aimé, l'arbre est là, le manguier est là, il y a des mangues qu'on a déjà mis. Est-ce que tu es celui qui fait un effort pour prendre? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la grâce, Dieu demeure juste. Il dit... celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, c'est celui-là, c'est ce qu'il a donné, il a dit.
Si tu crois en son nom, tu seras sauvé. Notre responsabilité à nous entre dans ce domaine de faire. À l'église même, on voit des gens, il y a d'autres qui croient très vite dans les choses de Dieu, il y a d'autres qui ne croient pas. Et croître, ce n'est pas prêcher, hein? Ça on doit se le dire. Croître, ce n'est pas modérer. Croître, ce sont les fruits que tu produis. Le fruit de l'esprit, ce n'est même pas le don. Je ne voudrais pas vous choquer, mais ce n'est même pas le don. Parce que le don, Dieu donne. Mais le fruit, c'est dans ton application. Qu'est-ce que tu produis comme fruit? Et l'un même des éléments principaux de l'avancement de l'église, alors que nous parlons de l'église locale, notre centre missionnaire Maranatha. Un des éléments qui va nous aider, nous tous, à développer notre être et même notre manière de faire, c'est l'engagement. Je pouvais suivre cet homme de Dieu, le docteur David Kadeba. Parlant des engagements, il le parle en sept étapes. Il parle de cette étape d'engagement. Il parle de l'engagement par tradition. À l'église, on est là, on est né à l'écodime, on grandit. Bon, après l'écodime, normalement, on doit être à la jeunesse. Après un temps, on ira voir le foie béri pour le baptême. Un peu comme traditionnellement ce qu'on fait. On est habitué à ce qu'on fait, bon. Les choses de Dieu, et puis on devient ouvrier, on commence à servir. Qui n'est pas aussi une mauvaise chose. Et au deuxième niveau, il parle de l'engagement par émotion. Motivé par l'émotion. Je ne voudrais pas expliquer, je pourrais peut-être envoyer le texte que j'ai écrit en entièreté, même dans le groupe. En fait, parce que la prédication, en fait, ici, ce n'est pas seulement une prédication. Je voudrais que ce soit vraiment un enseignement. Je voudrais envoyer même les notes pour que nous puissions lire et voir un peu ce que Dieu voulait nous enseigner ce soir pour qu'on gagne le temps. Et en troisième étape, il parle de l'engagement par imitation. Et une chose qui m'a même fait rire, il parle de l'imitation, ce n'est pas seulement voir comme modèle, mais c'est. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui commencent, lorsqu'ils voient le pasteur Roland Dallo prêcher. Vous savez, l'autre fois, il y avait même de ces jeunes-là, ok, tu n'as pas geste, mais la manière de vivre de la personne, on ne connaît même pas. On commence à faire les choses parce qu'on voit seulement. Ah, frère Wana, là, tu vas bien. Frère Wana, sois à mon hasard, donc. Et il dit une chose, il dit, dans l'imitation, il y a ce qu'on appelle la limitation. À force d'imiter, on est même limité parce qu'on n'arrive pas à ressortir notre vraie personne. Au quatrième niveau, il parle de l'engagement par compétition. Lorsque je regarde, je vois. Même lorsqu'on regarde une autre église, on voit, mais par moi, 2008, quand même, on a 3000 membres. Mais ça, tout ça, on a 300. Qu'est-ce que nous devons faire? Un autre niveau d'engagement à l'église. Alors que je vois le frère Enoch jouer au clavier, à Bétera, vraiment bien, mais je me mets dans une compétition, mais pas dans une compétition de rancune. Parce que nous voulons améliorer les choses. Amen, amen. Lorsque je vois le frère Andy jouer bien au clavier, je me dis non, je dois aussi bien jouer. Pourquoi pas jouer mieux que lui? Lorsque je vois le frère Nesmi modéré, moi je me dis non, je dois aller chercher encore Dieu. De manière à faire encore mieux. Que les jeunes soient touchés, que les hommes et les femmes de Dieu soient touchés pendant un culte. Il parle aussi de l'engagement par
Rémunération. Rémunération parce qu'on est, on sait qu'il y a peut-être une récompense. Et parlant même de la rémunération, je voudrais dire à quelqu'un, je me souvenais de ce jour où on avait partagé au culte matinal sous ce thème, ton œuvre pour l'Éternel ne sera pas vaine. Juste pour dire encore à quelqu'un, tout ce que tu fais pour Dieu, bien-aimé, ne sera pas vain. Vous savez, dans Malachie 3,14, j'aimerais même le lire. Vous savez, il y a eu de ces gens qui ont eu à dire, en fait, ils s'inquiétaient. Apparemment, ils étaient en train de servir Dieu, mais sans rien voir. Un peu comme Asaph. Tu sers, tu te consacres, mais tu ne vois pas le résultat. Et on se pose même la question, est-ce que Dieu est là, Dieu me connaît. Dans ma souffrance, est-ce que Dieu voit? J'aimerais te dire, Dieu voit et il te connaît très bien. Ils ont dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Qu'avons-nous gagné en nous consacrant, en évitant la vie des tricheries, en évitant tout ce qui peut attirer le monde de la jeunesse aujourd'hui, cette génération nouvelle, du siècle présent? Qu'avons-nous à gagner? Mais j'aimerais te dire, Dieu est celui qui récompense. Et il récompense toujours. Amen, amen. Je ne le dis pas parce que la Bible le dit. Amen, amen. Je ne le dis pas parce que la Bible le dit. Mais je voudrais le dire, vous le dire encore, que je le dis. Parce que j'ai vu ça dans les vies des gens. J'ai vu aussi cela dans ma vie. Je pouvais voir des bien-aimés ici et même à l'église. Même s'ils sont partis pour certains à cause de l'éloignement, ainsi de suite pour diverses raisons. J'ai vu combien Dieu pouvait leur faire du bien. Combien Dieu pouvait nous parler dans une retraite. Clairement. Et après quelques temps, vous voyez la chose arriver. Dieu est celui qui récompense toujours. Et un des niveaux qui m'a aussi beaucoup plu, c'est l'engagement par passion. Et dans la passion, il définit cela même comme étant motivé par l'amour. L'amour au-dedans de nous. L'amour qui nous pousse à nous consacrer pour l'œuvre. L'amour qui nous pousse à toujours mieux faire pour l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'on est passionné. Voilà pourquoi lorsqu'on parlait même un vendredi ici du chrétien comme étant donneur du repos, on a parlé de la passion comme étant ingrédient du miracle. Lorsqu'on est passionné à une chose, on le fera par amour. Parce qu'on aime bien ça. Parce qu'on veut que ça aille de l'avant. Es-tu passionné pour l'œuvre de Dieu dans cette église? Ou es-tu là seulement, bon, il faut servir? Comment tu fais les choses? Est-ce par passion? Est-ce par imitation? Parce que tu as vu le fouet, j'appelle servir. Bon, je veux aussi servir. Ou tu le fais seulement par tradition? Parce que moi, dans le Zambé, nous, c'est quoi ça là, dans l'église? Revoyons encore notre niveau d'engagement. Et le dernier niveau que moi j'ai ajouté, niveau d'engagement par consécration. S'il faut parler de la consécration, ça
Ça va encore nous prendre beaucoup de temps. Laissez-moi aller calmement. J'ai demandé un peu de la patience. Parce que vous savez, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, il faut cultiver même la patience. N'est pas être de ceux-là qui regardent toujours à la montre. Je sais que l'Esprit de Dieu est correct. Dans l'heure, il sait bien gérer le temps. Mais on se sort alors que nous sommes appelés à discuter ensemble, à échanger, à partager pour aller de l'avant. Parce que nous voulons que cette œuvre aille de l'avant. Parce que nous voulons produire encore beaucoup plus de fruits. Et parlant même de la patience dans la présence de Dieu, une fois j'étais là où je travaille, à un moment je suis resté seul, je me suis enfermé. Parce que c'était un samedi, je devais venir à la jeunesse. J'étais en train de voir des moments de retraite où je voyais des jeunes gens sauter, crier, parler en langue. On s'en connaît touché, vibré. Mais nous là, on était au coin, mais on dirait que cet esprit a sauté de lui. Mais je vois un peu après la vie de tous ces jeunes gens-là. Ce qu'ils produisent comme fruit, même quand tu parles à une personne, tu sais découvrir qu'il n'y a même pas de la patience en la personne. Le langage, tu vois, est-ce que cette personne a changé, oui ou non? Des paroles blessantes, des propos qu'on tient, des propos, des discussions banales. Mais on se demande, mais toutes ces retraites-là, mais tout ce temps où on saute, on bouge, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a parlé en réponse à cela, il m'a dit une chose. Des moments de prière, oui, plusieurs prient. Beaucoup de gens prient. Mais pour le changement, pour la transformation d'une personne, c'est la rencontre. Vous savez, dans la vie de plusieurs serviteurs, voilà pourquoi Dieu m'avait même mis à cœur de pouvoir organiser avec les amis Peñan Night, où on avait développé sur ce qu'on appelle le thème qu'on a eu à développer encore à la retraite. Transformer de gloire en gloire. Oui, transformer une foi. Mais nous voulons avancer dans cette transformation. Nous ne voulons pas, aujourd'hui on entre en retraite et puis on ressort. C'est comme si parmi sa retraite était qui? Il m'a parlé de la rencontre. Quand tu viens à l'église, viens-tu pour passer du temps ou pour rencontrer Dieu? Vous savez, le président peut être ici, hein? Ici là. Tu peux être dans la présence du président. Mais lorsque tu ne fais pas le face-à-face, quoi que tu es dans sa présence, tu rates. Amen, amen. Tu rates, tu passes à côté. Et même Dieu, c'est comme ça. Tu peux être dans la présence de Dieu. Mais si tu ne saisis pas, tu rates. Si tu ne fais pas une rencontre avec Dieu, tu passes à côté. Voilà pourquoi nous tous, on viendra à l'église. Mais moi, je sors avec quelque chose et toi, tu sors en néant. Même si on nous dit, nul ne vient au Père et ne reste la même personne. Nul ne vient dans la présence de Dieu et ne reste la même personne. Mais ça dépend aussi de ta manière de faire les choses. Est-ce que ton cœur est ouvert? J'aime bien ce que le frère Bob, prophète Bob, Cassis, une fois à la retraite, parlant de demeurer dans la présence de Dieu, il dit... Dieu aime ceux qui s'enracinent dans la présence de Dieu. Oui, on est là, mais on s'enracine. On veut rester là. On veut rester là. On se plante dans la présence de Dieu. On n'est pas de ceux qui sortent et qui reviennent. Du coup, on rend la présence de Dieu comme étant un moment. Quand on est à l'église telle que là, on est dans la présence de Dieu. Quand on sort, plus la présence de Dieu. Voilà pourquoi même pour l'habillement, excusez-moi les sœurs, il y a des sœurs qui se disent, pour chanter, il y a la manière de s'habiller. Mais pour marcher en route, une autre manière de s'habiller. Donc ça veut dire, toi tu ne marches pas avec Dieu. Tu es avec Dieu seulement quand tu es devant. Tu es avec Dieu seulement quand tu fais le protocole.
Quand tu es à l'université, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Là, l'habillement ne compte pas. Bien-aimés, ouvriers, ouvrières, nous sommes là pour un changement. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire un changement? Bien-aimé, 15 ans, c'est pas peu. 15 ans. Telle église nous souci. Ce n'est pas une comparaison, mais il faut toujours faire la comparaison. Amen, amen. Et la responsabilité n'est pas seulement pour une seule personne, le pasteur, mais c'est pour nous tous. Amen, amen. J'aimerais citer par ce passage. Il est vrai qu'il y avait encore plusieurs à dire, plusieurs choses à dire. Mais j'aimerais qu'on lise encore 1 Timothée 4, à partir du 12e verset. À la maison, on pourra lire Tite 2, tout le chapitre. 1 Timothée 4, le 12e verset. Il est vrai qu'ici, c'est déjà lorsque j'ai vu, Dieu m'a mis à cœur de ce passage, je suis revenu directement rentrer un peu dans ces enseignements que le pasteur donnait, la lettre d'un père à un fils. Un enseignement très, très merveilleux que je vous invite, jeunes gens, à revoir sur YouTube, sur notre chaîne. Que des messages très édifiants. La lettre d'un père à son fils. Oh, combien riche cet enseignement. 1 Timothée 4, 12. Je lis au nom du Seigneur. Que personne ne méprise ta jeunesse. Une autre version est en train de parler en disant que personne ne néglige ta jeunesse. Que personne ne te néglige. Et en suivant les enseignements, lorsque le pasteur enseignait, il disait même parmi toutes ces personnes-là, que même toi aussi y compris, ne néglige pas ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour qui? Pour les fidèles. 1. En parole. 2. En conduite. 3. En amour. 4. En foi. Et 5. En pureté. J'aime cette version où on parle de pas en, mais on met quelque part pour la parole, on parle de dans tes paroles. Sois un modèle par tes paroles à toi. Par ta conduite, pas en conduite, mais ta conduite. Ton amour, ton esprit, ta foi et ta pureté. Bien-aimé, es-tu pur? Peut-être pour ne pas choquer, je te préviens déjà parce que ça pourrait peut-être paraître comme un choc. Ce n'est pas la prière qui purifie, c'est la parole. Seule la parole purifie. Si tu peux passer des temps dans la prière, des heures dans la prière, voilà. Mais lorsque tu fais une rencontre au travers de la prière, de la parole, bien-aimé, tu seras transformé de gloire en gloire. Parce que c'est au travers de la parole qu'on arrive à nous mirer. C'est au travers de la parole qu'on arrive à contempler Dieu. Et même quand tu commenceras à prier, ta prière ne sera pas une prière de moments de prière. Voilà pourquoi on parle même des moments forts de prière. En quoi est-ce que c'est fort? La durée. Lorsqu'il s'agit d'une rencontre. Voilà pourquoi même, j'aime bien cet homme Jacob. Hein. Depuis que j'ai découvert ces termes peignés, le président Raph, le président Roger, papa Patrick pouvaient nous emmener dans un lieu. D'ailleurs, le lieu même, c'était centre peigné. La première fois où je suis entré en retraite peigné, je me suis mis à méditer. J'ai vu combien cet homme, il est vrai qu'il marchait avec Dieu. Mais dans sa marche avec Dieu,
hier, il a eu des différentes rencontres. Et à chaque rencontre qu'il faisait avec Dieu, il y avait un changement. Il y a eu une rencontre où il pouvait dire, apparemment Dieu était ici, mais moi je ne le savais pas. Parce qu'il a vu l'échelle. Et il a appelé même ce lieu Bethel. Maison de Dieu. Il pouvait même faire un vœu. Et même Abraham aussi. Combien de fois il pouvait, à chaque rencontre avec Dieu, préparer l'holocauste, préparer l'offrande pour donner à Dieu. Et il y a eu des rencontres où Dieu même l'a révélé des choses. Vous savez, un détail que j'ai toujours aimé dans la présence de Dieu, parce que un détail que la Bible nous dit, c'est quand les anges sont venus, ils étaient à trois. Abraham leur a servi à manger vers les chaînes des mannerets. Il leur a servi à manger, ils étaient à trois. Mais lorsque vous continuez à lire, à méditer, vous allez voir, vous rendre compte que à Sodome, ils étaient à combien? À deux. Que des rencontres à faire avec Dieu. Même aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Bien-aimé, tu peux faire une rencontre avec Dieu, non pas le voir physiquement, mais les assoiffés de Dieu le savent. Vous savez, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, parfois, même quand on refuse, on n'aime pas les sensationnels et tout, mais quand Dieu est là, il est là. Quand Dieu est là, il est là. Quand Dieu est là, il est là, il est vraiment là. Je sais qu'il est omniprésent, ça je sais. Mais je sais aussi qu'il nous dit, là où deux, trois sont réunis en son nom, il est là au milieu de. C'est le même Dieu, n'est-ce pas? Mais je sais aussi, même quand tu es dans le secret, il est celui qui se révèle pour te montrer des choses, pour te montrer, te donner des directives. Mais vous savez, parfois, dans le domaine maintenant de faire, lorsqu'il regarde, il te donne des directives que tu ne fais pas. Déjà, le responsable te donne des directives que tu n'agis pas. Viendra-t-il te les donner? Comment sont tes moments de prière? Aujourd'hui, nous sommes appelés à être des modèles. En pureté, en parole. Il y a plusieurs choses qu'on aurait dû partager, mais faute de temps, j'aimerais Mais laissez-moi parler quand même pour la foi, modèle de foi. J'aime bien cet homme Pierre. Juste pour inviter encore un jeune ou un papa ou une maman à sortir du lot de ceux qui restent dans la barque afin de suivre Jésus. Cette pensée m'est venue parce qu'on voulait ressembler à Jésus, faire comme Jésus. Pendant que les autres sont en train de se demander si c'est un fantôme, j'aimerais que quelqu'un puisse avoir les yeux ouverts et qu'il voie Dieu. Non seulement se limiter à le voir, mais à sortir aussi de là-bas pour aller essayer de faire comme lui. Je ne veux pas crier comme les autres fantômes, mais j'aimerais marcher aussi sur l'eau, parce qu'il nous a dit, vous ferez des œuvres encore plus grandes que ce que je fais. Je ne sais pas si tu es pur ou tu es impur, mais c'est par ça que nous allons faire encore une prière. Parce que nous voulons un changement, il faut s'arrêter un moment. L'ange parlant aux églises, il dit, tu dois choisir un camp. C'est soit tu es chaud, c'est soit tu es froid.
Puisque si tu es à Califourchon, moi je vais te vomir. Si tu es à Cheval, moi je vais te vomir. Puisque quand tu es froid, tu sais quand même que je suis froid. Quand tu es chaud, tu sais quand même que je suis chaud. Mais quand tu es tantôt plutôt, soit c'est soit Dieu, c'est soit le monde, on ne sait pas où tu es. Mais j'aime cette prière de David dans Psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. J'aimerais que cela soit une prière pour quelqu'un parce que nous voulons un changement. J'aimerais faire encore un arrêt ce soir. J'aimerais m'arrêter un moment ce soir et regarder en moi-même qui suis-je, de qui suis-je modèle, en quoi suis-je modèle, comment je sers Dieu. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien-aimé, la consécration, c'est cela même la plus grande récompense en Dieu. Moïse, parlant aux enfants d'Israël, il leur dit, en fait, c'est le message que Dieu avait donné à Moïse. Il va dire au peuple, après vous avoir sauvé, après vous avoir délivré du monde, aujourd'hui, il y a même ce cantique qu'on chante souvent aux Ambénangan après Saolim. Au Pessingabo Moïse, au Koufelingaï. Je ne sais pas. Mais la plus grande récompense que tu peux donner à Dieu, c'est ta vie. Non pas ta vie en donnant cela au Seigneur comme on le fait, mais c'est en te donnant tout entier. Totalement à Dieu. Il dit aux enfants d'Israël, mais maintenant Israël, qu'attends-tu? Ce que Dieu attend de toi, ce que tu puisses, un, le craindre, deux, l'aimer, trois, le servir, trois choses. L'amour de Dieu, le service, et la crainte de l'Éternel, la plus grande récompense. Et en ce soir, es-tu pur? Qu'est-ce que tu fais? Crée en moi un cœur pur. J'aimerais que cela soit une prière pour quelqu'un ce soir. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Peut-être mon esprit était disposé, mais en ce soir, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que quelqu'un peut encore se lever et se remettre encore à Dieu ce soir? J'aimerais être un modèle, mais ce soir, j'ai besoin de toi. Crée en moi un cœur pur. Parce que je faisais, j'aimerais m'arrêter un moment. J'aimerais faire un arrêt. J'aimerais faire un arrêt sur moi-même et te confier mon cœur. J'aimerais te confier mon cœur. Est-ce que tu peux commencer à prier ce soir? Est-ce que tu peux commencer à remettre ton cœur à Dieu? Tu peux parler à Dieu dans ton intimité. Combien de paroles touchantes, profondes, nous disant ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de moi, que je sois un modèle dans ma génération. Être un modèle, c'est avoir un bon témoignage. Être un modèle, c'est être crédible. Et parmi les secrets de l'église primitive, ils étaient une église qui a un bon témoignage et qui est crédible. Oui, au milieu des fidèles et dans l'environnement dans lequel ils étaient. Le Seigneur veut que dans son église,
Aujourd'hui, les païens sont en train de juger l'Église parce qu'il n'y a pas de modèle. Là où tu es au travail, au quartier, tu n'es pas un modèle, tu ne reflètes pas le royaume. Être un modèle, c'est refléter Jésus-Christ. Là où tu es, il n'est pas arrivé là où tu es, mais il arrive là où tu es par toi. Les gens vont voir Jésus-Christ dans ton école, à l'université, au travail, par toi, par ton comportement, par ta conduite, par ce que tu fais, par ton témoignage. L'Église a perdu son crédibilité à cause des membres qui s'appellent chrétiens. Les frères et les sœurs, parce qu'on ne sait pas, on a perdu l'identité, on n'est pas ce qu'on devait être en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier, est-ce que tu peux parler à Dieu, au fond de ton âme, Seigneur, ton corps à toi, l'aide à être modèle, le grand engagement, je te refléter là où je suis. Centre d'intérêt, j'aimerais être crédible.
avoir un bon comportement, avoir une bonne conduite, afin de faire avancer ton Église dans mon entourage. Dieu de gloire, je te prie pour ton peuple en ce soir. Merci pour ton interpellation. Merci car jour après jour, tu es en train de mettre du doigt là où nous sommes les plus vulnérables, Seigneur. Aujourd'hui, dans le monde, l'Église est critiquée. Église, nous jetons le pauvre sur l'Église à cause de notre témoignage. Parce que nous avons foulé sous nos pieds, Seigneur, l'identité acquise sur la croix, Seigneur. Nous nous engageons, Seigneur, en ce soir, pendant ce moment de réflexion, d'interpellation, où tu es entré, Seigneur, ô Dieu, de parler à mon cœur pour voir ce qui gangrène l'avancement de ton Église. Et en ce soir, tu nous fais savoir, à cause du modèle que nous avons perdu, à cause du témoignage que nous avons banni, nous avons été freins à l'avancement de ton Église. Restaure ton témoignage en nous, restaure ton identité en nous, que nous soyons réellement la lumière des nations, une ville placée sur la montagne qui ne peut se cacher, qui éclaire son environnement, et que de loin on peut